Chers frères et sœurs, la croix glorieuse nous fait toucher une dimension de son cœur que seul Dieu lui-même pouvait nous révéler. La blessure causée par le péché et l'ingratitude de l'homme devient source non seulement d'une surabondance d'amour, mais bien plus d'une récréation dans la gloire. Par la folie de la croix, le scandale de la souffrance peut devenir sagesse, sagesse de Dieu, et la gloire promise à Jésus être donnée en partage à tous ceux qui désirent le suivre. La mort, la maladie, les blessures multiples que l'homme reçoit dans sa chair et dans son cœur, tout cela devient pour la petite créature l'occasion de se laisser plus intensément saisir par la vie même de Dieu. À travers cette fête de la croix glorieuse, l'Église nous invite à recevoir cette sagesse divine dont Marie a pleinement vécu à la croix, la souffrance du monde. Folie et scandale devient dans le sang du Christ, cri d'amour et sémence de gloire pour chacun d'entre nous. La croix est devant nous. Le sang qui coule de la croix est devant nous. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Mes bien-aimés, n'oublions pas ce que nous disons dans la finale de la prière de l'Angélus. C'est par la passion et par la croix qu'on arrive à la gloire de la résurrection. Bonne fête à toutes et à tous et que Dieu vous bénisse.